Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Commençons donc avec l'ouverture hier vendredi du 44e sommet ordinaire de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre se tient à Yamoussoukro en présence de 14 chefs d'État de la sous-région ouest-africaine. Ce 44e sommet ordinaire de la CEDEAO est marqué par le point des situations de sortie de crise au Mali et en Guinée-Bissau, mais aussi la finalisation de l'accord de partenariat économique Afrique de l'Ouest, Union européenne, ainsi que l'élection d'un nouveau président à la tête de l'organisation sous-régionale. Plusieurs fois reportée depuis son annonce en 2013, la visite officielle de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale dans la région de l'Agnébi-Thiassa, aura bel et bien lieu. Elle sera effective pour une durée d'une semaine à compter du 10 mai prochain. La date vient d'être fixée par Guillaume Soro lui-même au cours d'une rencontre avec les populations de la région. Le compte-rendu de Léon Brou. Le président de l'Assemblée nationale va-t-il ou non effectuer sa visite officielle annoncée depuis 2013 aux populations de l'Agnébi-Thiassa? Face aux dignitaires de la région ce vendredi pour répondre à cette question, Guillaume Soro s'est montré formel. J'irai passer une semaine avec vous au mois de mai. La visite aura lieu à partir du 10 mai 2014 pour parler des questions de l'Assemblée nationale, des questions du pays, des questions de la réconciliation nationale et de la reconstruction du pays. Cette fois-ci, c'est la bouche même du président qu'on nous a indiqué la date. Je pense que maintenant, nous pouvons ventiler cette nouvelle. Propager la nouvelle, la bonne, pour sensibiliser les différentes couches sociales de l'Agnébi-Thiassa, a réservé au président de l'Assemblée nationale l'accueil dû à son rang. Les élus et cadres sont également disposés, selon le président de la région. Martin Mbolo espère la levée des entraves au développement. De nombreux conflits liés au foncier rural, au titre de la sécurité. La région de l'Agnébi-Thiassa compte le plus grand nombre de barrages militaires au kilomètre. Comme à ses doléances, Guillaume Soro a sur place répondu favorablement aux souhaits de ses hôtes de voir des infrastructures de leur région, dont les réseaux routiers, électriques et d'eau potable, réhabilités. Mieux, le président de l'Assemblée nationale promet que ces difficultés vont connaître des réponses définitives avec le président Alassane Ouattara, déjà favorable pour effectuer une visite d'État dans la région de l'Agnébi-Thiassa. Les directeurs généraux des chaînes de télévision RTI et TV5 Monde ont animé ensemble une conférence de presse hier vendredi ici à Abidjan. Et pour cause, un partenariat lie les deux structures. Un partenariat qui fait de TV5 Monde le diffuseur panafricain du programme Interville produit par la RTI que la chaîne française vient d'acheter. Les précisions d'Herman Niamien. À partir de juillet 2014, l'émission Interville produite et diffusée par la RTI sur ses antennes sera vue dans l'ensemble des pays africains. Et c'est à l'initiative de TV5 Monde, la chaîne française des services publics, qui a acheté le programme avec la RTI. Au cours d'un petit déjeuner de presse, le directeur général de TV5 Monde a souligné que des réflexions sont menées avec la RTI pour pérenniser l'émission. Je connais Interville de très longue date, hein, puisque je l'avais produit moi en France sur France 2, donc je connais la puissance de ce programme. Je sais combien voilà, ça touche un très grand nombre de gens. Je sais combien ça plaît aux enfants, ça plaît aux adolescents, mais ça plaît aux grands, etc. C'est un programme familial. L'émission Interville sera vue dans 49 pays d'Afrique, ce qui représente une audience d'environ 1 milliard de téléspectateurs. Un bon point pour la RTI qui entend prendre une bonne part du marché mondial des programmes estimés à 50 000 milliards de francs CFA. C'est une formidable opportunité commerciale et la RTI entend prendre une part de ce marché. Au niveau de l'Afrique, nous sommes à 250 milliards de marchés. Pendant très longtemps, nous avons acheté les contenus à l'étranger. Et bien, nous pensons que l'heure est arrivée aujourd'hui pour la RTI de pouvoir capter une partie de ces ressources et que le secteur de l'audiovisuel devienne un secteur qui exporte, comme à l'instar d'autres secteurs en Côte d'Ivoire. La RTI, engagée dans une dynamique de développement, n'entend donc pas s'arrêter en si bon chemin.
et la libéralisation de l'espace audiovisuel ivoirien, qui se précise de plus en plus, est un motif qui galvanise davantage la direction générale. La finale de l'émission Interville, objet de ce partenariat entre la RTI et TV5, est prévue pour ce samedi 29 mars. Et la finale du jeu concours Interville opposera l'équipe de Séguéla à celle de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et bien sûr, le directeur général de TV5 Monde assistera à cette finale. La plateforme e-conférence en partenariat avec l'ANSUT, l'Agence nationale de services universels des télécommunications, a organisé du 26 au 27 mars dernier la 4e édition de l'événement régional des IT et télécom à Abidjan. Ce forum devrait apporter un éclairage sur les nouveaux créneaux porteurs d'un secteur en évolution et l'impact de la convergence sur les nouveaux business modèles des opérateurs de téléphonie. Le reportage de Patrice Kouakou et Léon Bro. Le marché des télécommunications en Afrique s'accroît au rythme accéléré de 30%. Cette croissance est marquée par l'activité des opérateurs de ce secteur. La rencontre des télécommunications et des technologies de l'information a permis aux acteurs de partager leurs expériences respectives. Aujourd'hui, il faut reconnaître que viser l'émergence en 2020 suppose aller vite et de façon efficace. La convergence des télécommunications et des technologies de l'information est devenue très importante. Le secteur représente une contribution au produit intérieur brut de 6% en Europe et 7% aux États-Unis et impacte pour 50% la croissance au niveau mondial. Il y a une convergence d'esprit sur le désenclavement des populations et la gestion des modes de communication dans un souci de développer le partenariat Sud-Sud. C'est pour cela que les acteurs des TIC réorientent leur stratégie et définissent des approches adaptées à un environnement en pleine mutation. Il est aujourd'hui indéniable que les technologies de l'information et de la communication et la généralisation de leurs usages sont un facteur de développement socio-économique, de compétitivité, de création d'emplois, de diffusion du savoir, d'amélioration de l'offre des services aux populations, etc. Cet événement régional va contribuer à bâtir les piliers d'une économie numérique forte pour réaliser une Afrique émergente. Les premières journées portes ouvertes de la femme militaire qui se sont déroulées dans les locaux du ministère de la Défense ont pris fin avant-hier. La cérémonie de clôture, des recommandations ont été faites en vue d'une plus grande représentativité des femmes au sein des forces de sécurité et de défense de Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. En présence de tous les représentants de plusieurs ministères techniques, ainsi que des responsables du système des Nations Unies, la directrice de la santé et de l'action sociale des armées, le médecin général de brigade Kwame Akissi, par ailleurs présidente du comité d'organisation, a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour son engagement en faveur de l'intégration de la femme dans l'ensemble des instances de gestion et des domaines d'activité en Côte d'Ivoire, en particulier la présence des femmes dans l'armée et leur future entrée à la gendarmerie nationale. Nous avons eu la visite spéciale du général Niang. Et nous avons mis en place un comité de réflexion pour continuer de réfléchir sur l'intégration des femmes dans les forces armées de Côte d'Ivoire. La lecture de la note de synthèse des 3 jours de travaux a été ensuite faite par le médecin colonel-major Abou Anne-Marie avec quelques recommandations. La promotion d'une culture organisationnelle permettant une bonne intégration des femmes dans les forces armées. Continuer la collaboration et le partage d'expériences avec les pays frères de la sous-région, particulièrement le Sénégal, pour approfondir les leçons tirées de son expérience sur l'intégration des femmes dans la gendarmerie. Comme les représentants des autres pays participants, la délégation sénégalaise conduite par le général de brigade Meïssa Niang, haut commandant en second de la gendarmerie nationale et sous-directeur de la justice militaire, est venue apporter l'expérience de ce pays frère en matière d'intégration du genre. Et ce partage d'expérience va se poursuivre dans le temps, parce que la délégation ivoirienne aussi sera bientôt à Dakar pour échanger davantage avec nous et pour que vraiment ça soit un pari réussi en Côte d'Ivoire. Plusieurs autres activités sont prévues en vue d'une plus grande sensibilisation des populations sur l'importance de la présence des femmes au sein des forces de sécurité et de défense de Côte d'Ivoire.
On se souvient, il y a quelque temps, du cri de cœur lancé par la communauté catholique du diocèse d'Abidjan. Eh bien, ce cri de cœur a été entendu par l'État de Côte d'Ivoire. La cathédrale Saint-Paul du Plateau, actuellement dans un état de dégradation très avancé, sera réhabilitée. 2,9 milliards de francs CFA, c'est le montant qu'il faut pour régler tous les problèmes d'étanchéité auxquels sont confrontés les édifices. Et l'État entend contribuer à hauteur de 2,1 milliards de francs CFA. L'information a été donnée ce matin par le père Augustin Brou, le chargé de communication du diocèse d'Abidjan. Les prières de la communauté catholique du diocèse d'Abidjan exaucées. L'État s'engage à réhabiliter la cathédrale Saint-Paul du Plateau à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA, sur les 2,9 milliards nécessaires à la restauration de l'édifice. La paroisse sera dans une semaine en chantier. L'État de Côte d'Ivoire a décidé d'aider à la restauration de la cathédrale à hauteur de 2,1 milliards. Cette somme prend pratiquement en compte tous les besoins de la restauration de la cathédrale. Merci au chef de l'État qui a promis et a respecté son engagement. Les plus heureux sont les fidèles chrétiens qui ont vu leur église tomber en ruine et qui la verront renaître de ses cendres dans 6 mois, délai d'exécution des travaux. C'est un sentiment de joie, mais aussi un sentiment de reconnaissance qui m'anime. Et reconnaissance envers donc le chef de l'État et de tout son gouvernement qui, bien que nous soyons dans un État laïque, décide d'apporter un coup de main, une aide précieuse donc à la réhabilitation de notre édifice. C'est l'occasion aussi peut-être de sensibiliser les cadres catholiques afin qu'ils puissent donc se mobiliser pour l'entretien des édifices qui ont été construits. Ce que l'État de Côte d'Ivoire vient de faire pour tous les catholiques, ça fortifie déjà notre foi. Je souhaiterais que ça ne s'arrête pas jusqu'à la cathédrale. Peut-être qu'il y a bien d'autres joyaux aussi que l'État pourrait éventuellement aider à restaurer. Inauguré en 1985 par le pape Jean-Paul II, l'édifice a pris des rides au fil des années. C'est en 2011, au cours de la crise post-électorale, qu'il a subi le plus de dommages. L'histoire y tiendra que les premiers signes de sa résurrection sont apparus en 2014 au cours du carême chrétien. Reportage signé Grâce Kando. L'actualité hors de chez nous à présent. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a annoncé hier vendredi la réintégration dans ses instances de Madagascar. On se souvient que le pays a été suspendu depuis le coup de force de 2009. L'OIF prend ainsi acte du retour à l'ordre constitutionnel après l'élection du président Henri Rajaonarimampiane. Après 5 ans de mise au ban et de sanctions par les organisations internationales, voilà enfin une bonne nouvelle pour Madagascar. Le pays retrouve sa place au sein de la grande famille francophone. C'est aussi un message envers que ce soit les dirigeants malgaches de garder, de continuer dans cette voie de la démocratisation, mais aussi c'est un signal envers les partenaires, la communauté internationale dans son ensemble, que Madagascar est un pays, comme les autres, un pays fréquentable. Soulagement aussi au centre culturel de Tananarive. Cet espace créé par l'Organisation internationale francophone, tourné au ralenti ces dernières années. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Une délivrance parce qu'on va pouvoir tout renouveler, on va pouvoir tout remettre en route. Ça ne s'est pas arrêté, cependant, il y a eu un ralentissement des activités. Lecture, jeux, équipements audiovisuels ou bien encore connexion Internet, ici, tout est financé par l'OIF, un centre très fréquenté par les jeunes malgaches. Ici, il y a toujours de nouveaux documents et on a le choix. Je suis plus satisfaite ici qu'ailleurs et j'y viens souvent. L'abonnement à la bibliothèque est gratuit. En plus, il y a des livres qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
Il y a actuellement une vingtaine de centres de lecture et d'animation culturelle dans le pays. Des centres qui devraient se développer grâce à l'aide indispensable de l'Organisation internationale francophone. Dans les universités du Burundi, les étudiants boycottent la campagne de réinscription lancée par le gouvernement. Trois étudiants ont même été arrêtés par la police, accusés d'empêcher les autres d'aller se faire réinscrire. Reportage. Il n'y a pas un chat sur les campus de l'université du Burundi et de l'école normale supérieure. Dans le bras de fer qu'il oppose depuis deux semaines aux étudiants, le gouvernement burundais perd la première manche. Il avait donné trois jours aux 15 500 étudiants pour se réinscrire au titre de l'année académique 2012-2013. Seuls 650 ont répondu favorablement à l'appel des autorités. Le gouvernement se trouve contraint de fixer un délai supplémentaire. Une prolongation des délais de réinscription est accordée jusqu'au 1er avril 2014. Si l'appel ne sera pas suivi, d'autres mesures seront prises. Ne vous en faites pas. Mais aujourd'hui, je ne vous dirai pas lesquelles. L'appel du ministre burundais de l'enseignement supérieur est assorti de menaces. Face à la stratégie de fermeté du gouvernement, les représentants des étudiants demeurent inflexibles. Ils appellent au boycott de la nouvelle campagne de réinscription lancée jeudi par les autorités. Nous demandons que l'administration cesse ces mesures d'intimidation qu'il commence à appliquer aux étudiants. Parce que 5 parmi nous sont déjà détenus à la police. Nous ne savons pas pourquoi. Les étudiants de l'Université du Burundi et de l'École normale supérieure réclament la libération de leurs camarades arrêtés, mais aussi la réintégration de leurs délégués exclus. Et enfin, ils exigent du gouvernement l'annulation de la mesure concernant la réduction des bourses octroyées chaque mois aux étudiants. Et puis, au Pérou, c'est le durcissement dans le conflit des mineurs illégaux. Voilà plusieurs jours que ces mineurs illégaux campaient avec leur famille sur la place de Mai à Lima. Ils ont été délogés jeudi par la police. Dernier épisode du bras de fer entre le gouvernement péruvien, qui tente depuis plusieurs années de mettre de l'ordre dans ce secteur, et ses travailleurs accusés de détruire l'environnement. Ceux-là exploitaient l'or dans la forêt amazonienne. Leurs équipements vont être saisis. Ils réclament que la date du 19 avril imposée par le gouvernement pour régulariser leur activité soit reculée. Ils nous expulsent de là où nous vivons. C'est là que nous vivons. Nous survivons grâce à la mine. Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Qu'on vienne à la ville et qu'on se mette à voler? Mercredi, des heurts violents avaient opposé forces de l'ordre et mineurs en plein cœur de la capitale. Les mineurs illégaux venaient d'apprendre qu'ils étaient exclus de l'accord conclu entre le gouvernement et les mineurs artisanaux de cinq autres régions pour faire avancer le programme de formalisation. Les autorités, en effet, voient mal comment elles pourraient négocier avec les mineurs de la forêt amazonienne qui opèrent de façon illicite dans des réserves naturelles. L'activité minière dans la région de Madre de Dios est en grande partie illégale. Par conséquent, cela va être très difficile de trouver un accord avec des mineurs qui opèrent dans des zones protégées. Deuxième producteur mondial de cuivre et de zinc, le Pérou est aussi le cinquième producteur d'or. L'activité minière génère 2 milliards de dollars par an. Parmi les 70 000 mineurs artisanaux, une partie travaille dans des couloirs miniers autorisés et l'autre dans des secteurs interdits. Tous utilisent des techniques désastreuses pour l'environnement, mais ceux qui opèrent dans les couloirs miniers ont reçu un traitement de faveur, leur zone d'activité se situant hors des réserves naturelles. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon samedi sur la chaîne qui rassemble. RTI 1, la chaîne qui rassemble.